Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo en fait simplement pour montrer euh, le petit truc à régler pour pouvoir jouer en ligne et pas galérer, notamment alors sur Switch, parce que sur Switch j'ai eu énormément de problèmes pour arriver à jouer en ligne une fois que vous avez passé les équipes euh, entraînement de l'IA. Donc après, quand vous n'arrivez pas à vous connecter, ça va vous mettre des messages d'erreur comme quoi il y a erreur de communication avec la console et tout ça, vous ne pouvez pas vous connecter. Vous avez dans la option. Vous descendez et en fait il va falloir changer le langage. Visiblement c'est une erreur de trad où il y a un truc en fait qui, qui cause problème. Donc vous cliquez, vous changez, vous cherchez, voilà, hop, langue. Et ici on va mettre, hop, anglais. Vous mettez en anglais, vous quittez, sauvegarder. Oui, sinon ça va pas marcher, normal. Ok, ça sauvegarde. Et là du coup vous allez pouvoir monter euh, en, en ligne et ça devrait marcher. Par contre... N'hésitez pas à changer vos réglages, faites attention. Euh, j'ai essayé de faire des matchs. Là, je vais mettre le premier match en ligne. Hein. Juste après, vous allez voir mon premier match que j'ai fait tout à l'heure, qui était plutôt sympa. Mais il y a des réglages à faire. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment euh, arriver à faire des matchs de qualité, il faut déjà que vous régliez la qualité de la connexion. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut la laisser sur le maximum. Alors, je sais que tout le monde ne parle pas forcément anglais, c'est pour ça que je vais vous montrer en direct. Les réglages que moi j'ai mis qui m'ont permis de faire un match plutôt, euh, plutôt agréable en fait hein, en termes de, de qualité. J'arrivais à, à suivre, vous allez voir il n'y avait pas de lag euh, spécialement, ça allait bien. Donc vous allez sur matchmaking settings ici. Et là voilà, connection strength, ça c'est le plus important, il faut mettre grit. Vous avez good, vous avez all. Franchement j'ai essayé all, c'était injouable le truc. Les joueurs se téléportaient dans tous les sens, je ne pouvais rien faire, j'ai quitté le match direct. J'ai essayé good, c'est pareil. J'avais un lag en fait de, de genre 2 secondes facile sur les actions. Donc c'était injouable. Et grit, j'ai pu jouer. Alors ça arrive qu'il y ait un tout petit ralentissement par moment. Mais c'est jouable. Euh, matchmaking range. Alors ça, j'ai mis Near pour rester euh, plutôt euh, en France ou pas loin. Pour pas me barrer non plus euh, trop trop loin. Si vous mettez All, c'est pareil. Vous risquez d'avoir des joueurs de très loin. Mais du coup, la connexion risque d'être un peu plus mauvaise. Et Sportsmanship Points. Alors là, j'ai mis All. Alors, je je m'en tape d'affronter de, de, quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi. Ça, c'est pas grave. En fait, tout ce que je voulais, moi, c'était affronter quelqu'un. Avec ces réglages là normalement vous devriez trouver du monde même sur Switch sur ce je vais enchaîner sur le premier match que j'ai fait tout à l'heure alors au niveau des équipes on voit on est à peu près pareil c'est à dire que moi je suis à 1500 quelque chose lui est à 1600 globalement ça se vaut franchement on n'a pas de grosses grosse, grosse différence. elle est un peu plus optimisée la sienne alors il est parti sur du Muller un gardien visiblement Muller est, est très très joué de ce que j'ai vu en ligne visiblement il est toujours quasiment toujours présent schneider c'est pareil bon, yuga aussi mais ça, après, on va voir les tendances. En fait, on va se dégager petit à petit hein, sur, sur le 1-ligne. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont revenir plus souvent que d'autres. Alors là, on va, on va voir un petit peu comment je me débrouille. Pour le début, alors déjà, j'étais content. Paf, un dribble, on passe au deuxième. Je me dis, wow, royal, nickel. Hop, je passe là. Bon, alors là, je balance un tir plutôt que de perdre le ballon bêtement parce que je pas le temps de charger, j'ai pas assez d'énergie. Je préfère commencer à attaquer son endurance, en fait. Dans tous les cas, c'est toujours ça de prix. Ça, ça me permet de capitaliser pour, pour ensuite. Hein. Et là, le plus dur que j'ai eu, là, euh, enfin, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée au début du match, hein, tout, tout le long du match, de toute façon, sur le 1-ligne. C'est d'arriver à faire les dribbles. Ou d'arriver à contrer le gars en face, à contrer ses dribbles. Parce que euh, l'IA, c'est facile. Vous faites R1, généralement, les trois quarts du temps, ça passe. Mais là, il faut dernier Il faut faire du R1, il faut faire du R2 en fonction de ce que le mec fait. Et l'air de rien, c'est assez rapide le gameplay. Et c'est pas évident. Hein. Alors là, la connexion a bien tenu. Alors avant, j'ai essayé de faire deux matchs injouables. Le premier, franchement, j'avais 4 euh, secondes de retard. Les mecs se téléportaient partout, j'ai quitté direct. Et le deuxième, ça a été un peu la même. Mais on était à une seconde de délai, mais bon, c'était injouable, donc j'ai quitté aussi. Et là voilà, je suis tombé sur le premier match où j'ai pu vraiment jouer pour de vrai. Donc là, un tir à niveau 2, j'étais content. Bon, par contre, Müller, il arrête le truc vraiment comme s'il galérait pas. Lui, pineuse euh, pour lui. On, on repart, mais j'ai commencé déjà à attaquer son endurance. Donc moi, le but, c'est ça, c'est vraiment de baisser son endurance, d'arriver à y faire rentrer un quand même. Parce qu'il a beau être balèze, Müller. Tôt ou tard, il en prendra un. Je veux dire, je vais pas le laisser comme ça. Après, l'autre en face, ne me laisse pas faire non plus. Il est bon. Vous voyez, là, il a bien temporisé. Il a bien géré son esquive. Allez, deuxième. Il a traversé tout le terrain, pépère. Hein, vraiment, euh... c'est vraiment pas évident. Hein, ça, ça joue quand même très vite. Bon, c'est bon, Wakabayashi est là. Le ballon qui, <laughs> qui fait un petit bug là. Je sais pas, si c'est normal, ce truc là. Après, il ouais, faut arriver. Ah, c'est ça le plus compliqué. Voilà, c'est vraiment les dribbles. Tout va jouer sur les dribbles. Si vous faites les, les mauvais choix plusieurs fois d'affilée, il y a des chances qu'après vous, vous ayez vraiment beaucoup de mal à remonter. Parce que si jamais le gars est vraiment devant votre gardien euh, à vous enchaîner les tirs. Ben ça va être compliqué, Alors normalement vous n'êtes pas censé faire les mauvais choix tout le temps hein. mais il faut vraiment voir un petit peu comment le mec joue essayer de, de varier vos dribbles, de varier vos tacles aussi pour arriver à passer et c'est ça qui est compliqué autant l'IA on arrive facilement à aller lui planter des buts devant dans la zone de réparation Là, phase de réparation là euh, c'est pas la même hein. c'est pas du tout la même, hein. c'est beaucoup plus compliqué que ça quoi. vous voyez là pareil mauvais choix, ben, hop, sanction allez ça repart c'est pour ça que c'est assez tendu, les matchs, autant les matchs IA, j'arrive à en foutre des, 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 des caisses complètes, là. J'ai fait un match, j'aurais mis 15-15-0. 15, 15, 15 j'étais limite, hein. je veux dire, je pourrais en faire plus que ça. Hein. Bon, 15 déjà, voilà, c'est pas un match, hein. est, on est sur un score de tennis, là. Mais par contre, là en ligne, c'est pas du tout pareil, hein. c'est pas du tout pareil. Je veux dire, là, les tirs, on pouvait pas en enchaîner de, dans tous les sens. C'est compliqué, les deux équipes sont quand même correctes, normalement, le mec a construit son équipe, il a pas pris des, des touristes, hein. vous non plus. Donc, il on a le match assez équilibré. Vous voyez, c'est vraiment la lutte pour arriver à passer les. à faire les dribbles, en fait. C'est le, le truc le plus compliqué. Alors là, j'en ai passé un, je suis content. Allez, hop 2. On ne va pas tenter plus. Voilà, on part sur un tir V1 déjà. On continue à baisser la vie de Muller, fait enfin, l'endurance de Müller. Voilà, il est à moitié presque là. Ça, ça commence à être jouable pour essayer de, de tenter quelque chose. Mais c'est que c'est très compliqué d'arriver à s'approcher jusqu'à jusqu la surface de réparation. Alors, il y a un poil de lag. C'est que ça m'est arrivé des fois d'avoir un tout petit peu de manque de réactivité, mais celui-là de match ça va, c'était jouable. Bon, lui, après, il a bien joué, il a remonté tout le terrain tout seul. là Heureusement que Pierre est là, voilà, il sauve la partie. Il permet de, de remettre ça un petit peu comme il faut, On repart sur des bons rails. Yuga, c'est bon, il en a passé un. Et ah non, deux, c'est dur. C'est ça qui est, c est compliqué, hein. c'est vraiment, vous voyez, ça se joue euh, tout au milieu quoi. Passer plus loin que le milieu de terrain, c'est difficile. C'est franchement difficile. Bon, soit faut avoir de la chance, soit faut vraiment avoir. Euh, Bien bien, bien euh, lu l'adversaire. Un petit duo à or, histoire de. Bon, qui m'a vidé mon énergie, qui m'a pas servi à grand chose au final, mais bon, j'ai fait trop tôt. Bon, là j'ai ma V-zone, donc je vais pouvoir tenter quelque chose avec la V-zone. Voilà. On lance la V-zone. Allez, là on y croit. Oh, c'est bon, déjà j'en ai passé un. On en passe deux, là on est pas mal. Et, Et on n'a pas le temps de tirer. C'est ça, c'est que ça va très très vite. Et là, ben, quand vous avez la V-zone, c'est vraiment le moment où il faut faire du pressing. Parce que c'est là où vous allez pouvoir essayer de, de rentrer les buts, de faire quelque chose. Sans la V-Zone, vous avez vu, c'est déjà très compliqué de s'avancer. Euh... Ah, là, par contre, vous voyez, j'en ai passé deux. Là, je peux le tenter. En plus, j'ai la place de placer le tiers V2. Je ne suis pas trop loin. Je suis en V-Zone. Là, normalement, voilà. Ça, c'est une bonne occasion. Mais ce n'est pas évident de les créer, ces occasions-là. Parce que vous voyez, pour m'avancer encore plus, il y avait un autre défenseur. Et, voilà. Et là, c'est bon, ça rentre. Donc le Muller, il a beau être costaud. Il en a quand même pris un. Ça, déjà, c'est fait. Maintenant, pour en mettre d'autres... Ça va être compliqué, parce qu'une fois qu'on n'a pas la V-Zone, comme je vous ai dit tout à l'heure, avancer ça va, mais arriver plus loin, bon Misugi qui fait du très très bon boulot, hop hop hop, là il se balade, un petit tir, mais je suis trop loin, trop loin pour déclencher l'animation, bon oh, c'est pas grave, ça fait baisser un petit peu la vie, on va continuer à le baisser de toute façon, hein. pour l'entamer, pour essayer d'en planter euh, un deuxième. Alors il y a des, petites, euh, des petits coups de lag hein, par moment, vous verrez sur des animations, tout ça vous repérerez, il y a des, euh, des petites choses, des fois on voit qu'il y, y a un petite temps de latence, ou une animation qui se fige rapidement, mais bon, globalement là ça va par contre j'ai bien mis voilà connexion comme j'ai montré au début de la vidéo hein. j'ai vraiment mis connexion la, la, la plus grosse quoi, la plus puissante là c'est pareil vous voyez le ballon est resté en place est ce que lui euh, là ben, comme là voilà vous avez vu son, son perso qui s'est figé comme ça c'est sûr que c'est pas normal hein. mais bon j'espère que ils vont euh, au niveau des serveurs est ce que ça vient de chez eux ou est ce que c'est nos connexions à nous je ne sais rien mais bon j'espère que le jeu va vraiment être hyper fluide parce que ça c'est comme du dbz ceux qui connaissent dragon ball fighter z c'est un jeu de fight qui est hyper technique hyper rapide je veux dire si vous avez une mauvaise connexion c'est même pas la peine quoi et là Oh là 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 je suis arrivé à le placer. J'adore ce tir, il est hyper stylé. Et on va continuer donc du coup à entamer un petit peu le, le Muller là. On il est arrêté quand même, hein. voilà, lui c'est vraiment une brute quand même. Hein. Alors je sais pas au niveau des stats, il faudrait vraiment que je vérifie si vraiment il est plus fort que les autres ou pas. Il m'a l'air très beau mais est-ce qu'il est meilleur, je sais pas. Pareil au niveau de l'équilibrage, moi j'espère vraiment que dans le jeu... Ils vont faire des, des équilibrages de toute façon à ce qu'on n'est pas toujours les mêmes équipes, toujours les mêmes joueurs qui sont joués en fait en, en ligne. Hein. Parce que c'est sûr, dès qu'on rentre en compétition, il y a des gens qui ne s'embêtent pas, ils veulent juste euh, gagner. Donc ils vont toujours jouer les mêmes trucs et ils s'en foutent de, de jouer tous la même équipe. Moi je trouve ça un petit peu dommage au niveau de la variété. Puis si on ne fait que les mêmes parties, bah, après c'est lassant, vraiment ça ne m'amuse pas de jouer toujours la même partie, donc après je ne joue plus. J'espère qu'ils vont apporter de la variété, qu'ils vont essayer quand même de faire un jeu un petit peu euh, équilibré, disons un petit peu varié, voilà, avec, qui offre un petit peu de richesse au niveau du jeu en ligne pour que les gens mais, puissent continuer à, à prendre plaisir à jouer, à organiser des choses. D'ailleurs, à ce niveau-là, ben, on a lancé le premier tournoi sur euh, du groupe Facebook. là Vous pouvez aller voir, il y a le lien dans la, dans la description si vous voulez vous inscrire. Hein. Ça se passera sur le Discord et pour plus de facilité parce que Facebook, si on est obligé de se mettre amis avec tous les gens avec qui on doit faire des matchs, ça va être compliqué. Donc, le Discord, c'est très pratique quand même pour ça. Donc voilà, oh, c'est la première édition. On a limité les, les places en fait au mode... Oh là, ça y est, je vais prendre un tir. Stop just là. Hein. Jean... Jean, il a sauvé la game là parce que ça partait sur une... voilà, c'est bon. Allez, on repart avec Lewisworth. Ouais, donc non, je disais le, le groupe en fait pour l'instant, on a lancé le petit le premier tournoi, ça sera limité en fait au tournoi de aux équipes de collège hein, pour pas qu'il y ait une grosse différence entre les joueurs. Après, on pourra faire avec du dream team et compagnie. Mais pour l'instant, on a préféré rester euh, rester soft et c'est le premier. Donc voilà, le temps qu'on voit qu'on se rode un petit peu, puis ça permet de voir un petit peu ben, les gens qui veulent jouer ensemble et tout. Ça va être chouette de faire un petit un petit événement, surtout bah ça. Alors Yuga, tout seul devant, ah là et là là j'ai merdouillé, j'ai merdouillé parce que j'étais trop gourmand. J'ai voulu tenter le V2, j'aurais pas dû. J'aurais juste dû balancer un v 1 déjà, j'ai fait un petit peu mal à, à son gardien et là ouais, ouais. trop trop gourmand. C'est le problème, c'est vraiment les timings. Il manque pas grand chose à chaque fois. Hein. Des fois il vous manque à peine une demi seconde pour que ça parte, mais ça part pas parce que ben, vous avez été euh, vous avez été trop gourmand. Là j'avais plus d'énergie, du coup je un peu embêté et j'aurais dû faire une passe. Honnêtement j'ai tenté, voilà pareil j'ai tenté de faire un tir, j'aurais pas dû. J'utilise pas assez, là en regardant le match, hein, en re regardant en fait, ça me permet de voir un petit peu aussi où je fais des erreurs et je vois que j'utilise pas assez tout ce qui est centre. Les centres, les passes et choses comme ça, euh, j'en fais pas assez. Alors là je fais pas pareil, un petit bug, je sais pas, j'ai taclé mais bon j'étais en retard sur l'animation. On voit c'est bon, il est présent, il est là. Pour ça par rapport à Muller, je sais pas s'il est meilleur ou pas honnêtement. Enfin, Muller, est-ce qu'il est meilleur que les autres gardiens Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire à vous ce que vous en pensez, si vous l'utilisez ou pas déjà. Vous voyez des différences, vous avez des, des données en plus. Je vais pas creuser vraiment au niveau des stats et compagnie, je n'ai pas, pas fait plus que ça. Allez, on va continuer. Par contre, il est remonté full, full endurance là. Pour partir à zéro, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouh là, par contre, belle occasion là. Alors bon, le truc, c'est que, voilà, vu que j'avais pas. Moi bon, je suis arrivé à tirer quand même. Mais vu que je pas fait de dribble avant et tout, c'est vrai que le tir se charge très très lentement. Hein. Quand on est en V zone, ça va, mais quand on n'est pas en V zone, c'est compliqué. Là, j'ai ma V zone de prête. Du coup, je vais pouvoir tenter un petit push. Euh, Essayer d'en planter un deuxième, ça serait bien, ça me mettrait un petit peu à l'abri. Là, le, le gars, là, ça se pas faire. Donc, euh, si je veux arriver à, à sécuriser mon avance, il faut pas que je traîne. On continue, voilà. Non, ça passe toujours pas. Bon, pour l'instant, c'est normal, il a encore trop d'endurance. Par contre, là, il est bien bas. Enfin, il est bien bas. Il a commencé à baisser. On est à la moitié quasiment. On est pas mal. On est pas mal. J'ai un peu traîné sur ma maison. Il faudrait peut-être que je la lance. Ou je la lance là, dans ces eaux-là, de toute façon. Hein. Yuga qui, qui passe, ça c'est pas bon. Et le tir qui part. Pierre heureusement est là. Ça c'est top. Alors après il, il met beaucoup de temps à se relever mais bon au final vous voyez l'adversaire, je sais pas, il a dû hésiter, là, il, a, il a dû se demander de où était le ballon, en fait il y a toujours des de Pierre, Bon par contre là voilà. il c'est pris du, du triple euh, triple tackle forcément. Il a beau être bon hein, au bout d'un moment il, il tombe quand même. Hein. Alors là je lance ma zone du coup je vais essayer de passer euh, bah, de planter une deuxième Alors déjà je passe le premier je suis content et là il suffit que je passe celui-là et ça passe pas c'est ça qui est dur honnêtement là je passais celui-là je partais sur un tir v2 je pense que c'est bon le, le but il y était Mais c'est très compliqué ça se joue vraiment à rien à rien et puis après bah, impossible à passer quoi celui-là il me, me gonfle en face là il veut pas me laisser passer c'est infernal infernal ah, je, rate, je rate tous mes tacles ah, heureusement il y a Jito qui est là Allez, on y croit, on peut arriver peut-être à planter un tir V2, non, un jour, ou c'est faisable Eh ben non, hein, on passe pas. On passe pas, c'est quand même, euh, c'est difficile. Hein. Ah, là, le premier qui passe pas. Hop, le deuxième, pareil, heureusement, il est là. Allez. Et bon, là, voilà, on a un tir V2. Le problème, c'est que je suis quand même loin, là. Donc, pour arriver à lui faire rentrer les tirs euh, V2, les tirs niveau 2, il faut quand même être assez proche. Hein. Assez proche, ou alors que le gardien est vraiment beaucoup d'endurance vous voyez là il elle a quand même pris un tir niveau 2 et pourtant ça il n'y a pas baissé énorme d'endurance c'est si peut-être 25 mais c'est pas c'est pas fou voilà hein. j'ai tenté de tirer j'aurais dû centrer je sais pas ce que j'ai fait là bon, dans le match j'ai fait d'autres erreurs il hein. n'y a, a pas que celle là hein. bon. là voilà je peux tenter déjà hop là un beau tir allez misugi là Eh non ça passe pas c'est vrai qu'il est bon hein, parce qu'il a plus beaucoup d'endurance et pourtant euh, même les tirs comme ça ça rentre pas hein. bon, après c'est qu'une retournée devant c'est pas un super tir et c'est léger mais bon il a quand même plus beaucoup hein. Oh là, il a bien joué, vous voyez, il a fait des super. Euh, les, les coups d'avancer, de se stopper et tout, c'est super bien joué parce que ça permet de, de vraiment casser le rythme. Il est bien passé bon jusqu'au tact derrière, mais bon, il m'a passé quand même 3 joueurs là, comme ça. Bon, hein. oh, un petit tir à est-ce que ça passe Il n'a plus rien envie Ah, ça passe pas non plus. Là, il, a, il, il, il y a poil, il n'y a plus rien. Moi, zéro 0 de, d'endurance, et, et pourtant, là, il suffit que j'arrive à rentrer 1 et ça devrait être bon. Oh, il ne me laisse pas le temps de tirer, hein, forcément, je suis en plein milieu de la défense. C'est tendu, hein, franchement, il manque pas grand-chose pour que je passe à... Pour que je passe à 2, mais lui me laisse pas me, me reposer, puis dès qu'il arrive à rentrer chez moi, après, je prends une tir dans les dents, et bon, euh, j'ai pas envie de... Alors là, ça y est, j'y suis. Tier V1, et non, j'ai pas le temps de le charger. Ça se joue à, à, à que dalle, hein, à, à une petite seconde, hein. C'est vraiment hyper, hyper, hyper tendu, hein. Mais c'est dur, hein, franchement, la ligne, euh, l'IA c'est voilà, à côté, c'est Peanuts Encore il y a des matchs qui sont difficiles parce que les joueurs en face sont très forts, mais... Euh... Globalement c'est quand même beaucoup plus facilement gérable que là un joueur. Bon là je suis pas mal. Ah, je suis trop loin là. J'aurais dû en fait juste charger le tir et autant ça passait. Là j'étais trop euh, réagi trop vite en fait. Ah, là par contre il monte, c'est pas bon pour moi. Voilà, et là ça peut aller très vite en fait. Hein. Ça peut aller très vite, surtout qu'il y a que 1-0. Si jamais il me le cale là. là pour se trouver c'est un, un tir niveau 2, donc ça, ça pique. Avec les ça, l'effet c'est top. Hein. Bon, mais ben, voilà, il y a Wakabayashi, pareil, il a fait le bout. Honnêtement, je sais pas, hein, vraiment, entre les deux, Wakabayashi Muller. Moi j'aime bien Wakabayashi. Wakashimasu aussi est très bien. Alors, ça par contre, ça peut faire très très mal. Voilà, ça c'est des actions, il a joué très vite, il lâche rien le gars. Et ça, ça pouvait piquer. Wakabayashi bon, il est à moitié vie. Voilà, et fin du match. Voilà donc écoutez pour ce premier match PVP. Je suis bien content de l'avoir gagné parce que le mec en face n'était pas... Était pas mauvais. Hein. Franchement, c'était vraiment tendu. Ça s'est pas joué à beaucoup. J'aurais pu euh, avoir un but de plus, mais lui pareil, il aurait pu avoir ce... son but euh, là qui passait. Donc c'était vraiment pas évident, mais en tout cas une belle expérience PVP pour enfin, PVP. En ligne, on va dire, moi j'ai trop l'habitude des MMO. Euh, voilà, donc belle expérience en ligne et euh, bah, je vais continuer à faire des matchs. J'ai lancé aussi le groupe hein, le groupe Facebook Il y a le, le premier tournoi qu'on est en train d'organiser, donc n'hésitez pas à participer. Pour l'instant, on a limité à toutes les équipes collège hein. C'est vraiment pour faire un petit tournoi cool entre nous. On verra s'il y a du monde ou pas. On augmentera le nombre de places disponibles en fonction. Il faut passer par le Discord et tout ça. Allez sur le groupe Facebook, il n'y a pas de, de toute façon. Je vous mets dans la description et vous verrez un petit peu les, les modalités pour participer. Mais ça peut être vraiment cool de se faire justement des, des petits matchs comme ça, des petits tournois, parce que le, le jeu en ligne est vraiment vraiment pas une fois qu'on a réglé le problème bien sûr pour y accéder parce que sinon au début ben, ça bug et ça c'est pas cool sur ce écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce je vais continuer à m'entraîner dur à Tsubasa